En pleine promotion de son nouveau disque Tout Recommencer, Patrick Bruel ne manque pas une occasion de saluer la mère de ses deux fils, la romancière Amanda Ster, laquelle sait également évoquer leurs années de mariage, avec tendresse. Tout Recommencer. C'est le titre du nouvel album de Patrick Bruel. Et quelques mots qui semblent laisser songeuse Amanda Ster, la mère de ses deux fils, Oscar et Léon. La romancière est entrée dans la vie du chanteur, il y a plus de 15 ans. Pour ne plus jamais en sortir, semble-t-il, point un mariage en 2004, un divorce 3 ans plus tard, mais des liens jamais distendus. En pleine promotion de son dernier disque, Patrick, abandonné par son père et élevé par un autre homme, a confié comment il s'organisait avec son ex-épouse concernant la garde de leurs deux garçons. Amanda, elle-même, n'a jamais manqué de rendre hommage, ni de faire quelques clins d'œil au père de ses fils. Ce 3 novembre, l'écrivaine a posté sur son compte Instagram une photo, qui n'a pas manqué de faire réagir ses admirateurs, avec lesquels elle entretient une belle correspondance sur les réseaux sociaux, et une amie, maquilleuse, qui a cru se souvenir de l'époque à laquelle cette photo avait été prise. Make-up artiste prisée du tout Paris, Pascal Naty a ainsi demandé à Amanda, « Cette photo, ce n'était pas lorsque tu as essayé ta robe de mariée ?» Une interrogation suivie de l'émoticône représentant une mariée. L'ex-épouse de Patrick Bruel lui a répondu quelques heures plus tard, amusée, « Non. » Avant de poster une seconde réponse dans la foulée, « Mais j'avais déjà des converses. Et sur la photo j'ai la robe et les converses aussi », une précision qui n'enlève rien au fait qu'Amanda Ster et le père de ses garçons sont restés très complices. Ensemble, ils ont récemment tourné Au Lilan, une adaptation du roman éponyme de l'écrivaine, qui sortira en 2019.